Et bonjour à tous, c'est Sacrex. Aujourd'hui, on va lancer une nouvelle mini-série et j'ai besoin de vos avis et de vos recommandations. Donc l'objectif, voilà, vous connaissez peut-être hein, l'émission Un jour une histoire. Et bah, là, on va faire un jour un gacha ou en tout cas un jour un jeu. L'objectif un peu de la mini-série, c'est de tester des jeux et de faire une vidéo de une demi-heure, 40 minutes, bien sûr une vidéo cut, hein, où vraiment voilà, on peut tester le jeu, avoir quelques heures dessus, et avoir un premier avis à chaud du jeu, donc les points positifs, les points négatifs. Et donc bah, voilà, maintenant c'est à vos claviers, qu'est-ce que vous voulez me voir tester. Je dirais qu'il y a deux contraintes. La première, faut pas que ça soit un jeu sur Senseiya, parce que Awakening, j'ai testé, c'est sympa, mais voilà, clairement j'ai pas accroché, et c'est à peu près tout en fait, hein. Je pensais à un deuxième, non, donc voilà, seule contrainte, faut pas que ça soit Senseiya Awakening. On le jouera en free-to-play. Ok, donc pareil, l'objectif, ça n'a pas de sens de dire tu vas tester un jeu, tu vas claquer 50€, 100€ et avoir un avis dessus. Donc voilà, à vos claviers, pas de limite, hein. Donc ça peut être un idle game, ça peut être un gacha, ça peut être, voilà, j'ai déjà joué à Genshin Impact, donc ça peut être Genshin Impact, pourquoi pas, hein, je peux reprendre mon compte, voir un peu ce que ça donne. Ça peut être un jeu sur Steam, exemple, ouais, ça crée que, je sais pas moi, j'ai exemple, hein, World of Warcraft, c'est trop cool, faut que t'essayes. D'accord. Bon, ça, j'ai des années de jeu dessus, tu vois. Genre, c'était pas le bon exemple. Mais voilà, c'est globalement pas de limite. Et en plus, voilà, du contenu élogi. On va partir sur un deuxième. Alors, peut-être pas contenu régulier, mais voilà, juste une mini-série en fil rouge où, par exemple, une fois. Alors, idéalement, je voudrais une vidéo par jour, mais je pense que le rythme, faudrait que je pose madame, que j'arrête le trading, que j'arrête ma vie pour faire ça, donc mauvais délire. Mais voilà, une fois par semaine, exemple le dimanche, t'as la vidéo un jour, un gacha qui sort le dimanche après-midi, et pendant une demi-heure, voilà, on découvre un nouveau jeu ensemble. Oui, la deuxième contrainte, ça vient de tilter, on fait pas Neural Cloud. Donc Neural Cloud, c'est un très bon jeu, que je joue vraiment fil rouge. C'est vraiment un jeu mobile au sens pur. C'est, tu joues 5-10 minutes par jour. Tu fais ce que t'as à faire. Tu peux tout maxer. C'est free-to-play friendly. Aujourd'hui, j'ai mis 0€ dessus. Voilà, donc ça n'a pas de sens de retourner dessus. Sachant que je ne suis pas parti. Mais voilà, bah écoutez, j'attends vos retours, que ce soit sur Discord, que ce soit en commentaire. Et globalement, je ne ferme aucune porte, d'accord. C'est une personne qui va me parler de... allez, j'en sais rien, là. Je vais en prendre un... je vais prendre un jeu au pif. Voilà. Duel de pirates. Voilà, il y a un gars qui me parle de duel de pirates. On va le tester. Mais les gars, soyez cool. Ok, on fait pas ça. Ayez un peu de d'estime pour votre panda. Genre, m'envoyez pas n'importe où, d'accord. Voilà, pas de duel de pirates. Voilà. Mais encore une fois, vous me proposez des trucs farfelus, je mets dans la liste et on va y arriver, d'accord. Bah, sur ce, j'espère que vous passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Comme toujours, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt sur Discord.